Monsieur Lepage est né au siècle dernier, c'est-à-dire qu'il est né mort de votre commune. Nous allons donc voyager, parcourir ensemble quelques événements qui ont marqué cette année. La signature du traité de Versailles mettant fin à la guerre. Ouais, ça fait rien. La création du Tour de France, du maillot jaune et de la Fédération française de football. La France, cette année-là, vote la journée de 8 heures. Paris grelotte au mois de juillet, qui est le plus froid observé depuis longtemps. En août, une vague de chaleur impose des températures atteignant 40 degrés. Et savez-vous, monsieur Lepage, que le maire de Saint-Léger en 1919 était monsieur Pierre Boussard? Eh oui, eh oui. Monsieur Pierre Boussard, maire de Saint-Léger en 1919. Monsieur Lepage, agriculteur en retraite, fut conseiller municipal de 1953 à 1983. Vous avez donc participé à toutes les foires de Saint-Léger comme exposant depuis 1967, alors que la foire fêtait son premier anniversaire. Ce sont vos amis de l'époque, soutenus par le père Enchère, chef de ferme à l'abbaye, qui ont mis sur pied cette foire l'année précédente. Savez-vous aussi, monsieur Lepage, que cette foire existait bien avant et depuis les années 1900 et qu'elle s'appelait alors la foire... Et bien, elle s'appelait la foire au chapeau. Est-ce que vous saviez? Bon. À toutes les foires de Saint-Léger, vous avez été présents. Mais pas seul, avec vos animaux, pour les exposer également, pour les négocier. Chose pas toujours facile. Il vous est arrivé de ne trouver acquéreur de vos animaux pas avant 22 heures. Vous voyez, monsieur Lepage, les Léogardiens ont de la mémoire. Vous aviez, je crois, également une troupe de moutons. Et chaque année, à l'occasion de la foire, il fallait que votre journée soit perturbée par une moutonne qui choisissait ce jour-là pour mettre bas. En tant que bénévole, vous avez participé toutes les années au montage des stands qui vous étaient affectés. Vous avez, m'a-t-on dit, un remarquable savoir-faire, celui de fabriquer des paniers. Eh bien, ce lieu, nous avons... une association qui s'appelle les sous-paniers. Comme vous nous avez été chaleureusement recommandés, rejoignez donc les intendants qui vous feront un honneur de vous accueillir au sein de notre confrérie. Descendez. Thank you.